C'est le matin. Regardez-moi cette montagne. On est arrivé au Moraine Lake et on est venu assez tôt, il est déjà 8h du matin, mais c'est déjà blindé. C'est plein de voitures qui attendent, la route elle est pleine aussi, mais on va voir ça là-bas. Voilà, ça c'est Moraine Lake, c'est absolument génial, c'est somptueux, c'est magnifique. Donc on a quitté Moraine Lake et là on est sur le parking un peu en dessous de Lake Louise pour aller voir le lac et faire une petite randonnée. Et voilà, Lake Louise. Et encore un lac. Cette fois, c'est le lac Agnès. Très mauvaise nouvelle, il y a un petit nuage. On va s'arrêter au bord de la route là parce que le lac, c'est Hector Lake. Encore un lac. Cette fois, c'est Bow Lake. Prochain arrêt le long de l'Ice Fields Parkway, c'est Data Lake. Vous avez sûrement déjà vu des photos. On s'est posé dans un petit camping ici, on est super haut, on doit être genre à 2000 mètres sur un col, il n'y a pas de réseau, il n'y a rien du tout, mais c'est super joli. On est dans une forêt, on est en train de prendre l'apéro. En fait, je vous ai toujours pas montré le camping-car, hein. On y va. Ok, donc voilà le camping-car. On a une porte coulissante, cuisine, des rangements, canapé et la nuit, lit, salle de bain, lavabo, toilette et la douche ici.